Wow! Ladies and gentlemen, good morning and welcome on Nyonsulban YouTube channel. Do you know the 21 Club? This is amazing, this is crazy. Rappers die only on 21. Like Juice WRLD is a temptation. And Alexa. What's wrong with you? What is wrong here? This is what I want to talk about with my people. Ladies and gentlemen, good morning. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes sur Nyonsulban. Aujourd'hui, nous voulons parler des rappeurs qui meurent à l'âge de 21 ans. Juste 21 ans seulement. Ce sont des rappeurs américains. C'est pourquoi nous avons commencé cette affaire pour vous parler en anglais. C'est un truc de ouf. Aux États-Unis, on parle du club des 21 ou encore The 21 Club. Déjà, vous devez savoir que le club des 21 n'existait pas avant. C'était juste le club des 27. Et il s'agissait des stars. De jeunes stars, il y a des gens qui commencent à éclore, qui commencent à sortir pour devenir célèbres. Il s'agit de ce genre de personnes-là qui meurent à l'âge de 27 ans. Et étrangement, moi j'ai vu une femme qui était même décédée. Elle disait à ses proches qu'elle sent qu'elle va mourir. Elle dit qu'elle sent que sa mort est proche. Elle avait à peine 27 ans. Et elle a commencé à prophétiser sur elle-même sa pauvre fille comme ça. Et bizarrement, la mort l'a emporté. On parle de Amy Winehouse. Il y en a tellement. C'est un truc de ouf. Et dans notre temps, on assiste maintenant à la disparition de jeunes rappeurs. Et nous, on ne comprend pas. Vous voulez savoir? On nous dit qu'en 2018, un jeune rappeur d'environ 21 ans a été tué par balle. Il a tiré sur lui de sa voiture et ce dernier est décédé. C'était une instantation. Quand il est décédé, son ami Juice WRLD a fait une chanson. Et dans cette chanson, il nous pose la question de savoir est-ce qu'on connaît le club des 27. Maintenant, c'est passé à 21. Des jeunes stars, des jeunes célèbres qui meurent à l'âge de 21 ans. Et bizarrement, le 1er janvier 2020, une personne est décédée. C'est une rappeuse aussi. Est-ce que c'est une coïncidence? Et en ce moment, je vais vous parler. Beaucoup de personnes se posent des questions sur ça. Suivez-nous, allons au studio. Nous allons voir des choses étranges, des choses étrangissimes. Déjà, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce qui est écrit? Est-ce que vous pouvez même lire? Écoutez bien, je vais lire à votre place. Regardez, écoutez. On nous dit, mourir jeune est resté une légende. Mourir jeune est resté une légende. Ça veut dire quoi? Vous faites des trucs. Et vous savez que vous allez mourir jeune, mais vous allez rester une légende. C'est ce que les gens sont en train de dire. Et apparemment, c'est ce qui est en train de se passer. Parce que l'un des rappeurs, parmi ces rappeurs, ces jeunes gens qui sont même ici, a même fait cette révélation. Cette fille en question, elle est ici. C'est elle qui vient de partir le mercredi 1er janvier 2020. Et en 2018, c'était lui, Istatation. Et Juice WRLD, le 8 décembre 2019, c'est récent, le club de 21. Et cette personne qui est là, elle nous disait des trucs du genre, mon désir c'est de devenir célèbre pour quelques années, voire même 2 ans, et puis mourir. C'est un truc de ouf. Cette personne a envoyé ce tweet-là quelques années avant sa disparition. Regardez, c'est en anglais encore.
ceux qui comprennent bien l'anglais peuvent faire la traduction. Mais qu'est-ce que ça dit? My goal is to get over life famous shine for a couple years, then fake my die, my death, fake my death. Et c'était posté sur Twitter le 25 avril 2017. Un truc de ouf. Regardez ça. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Mon but, en français, ça veut dire mon but est de devenir vraiment très célèbre, briller, c'est-à-dire briller 2 ans et mentir sur ma mort, c'est-à-dire faire croire que je suis mort, faker ma mort. Ah! Est-ce que c'est une coïncidence? Cette personne peut-être avait prévu ça, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Peut-être qu'il y a une partie de vérité qui est dedans. Regardez. C'est que cette personne allait vraiment devenir très célèbre. Effectivement, cette personne est devenue célèbre. Il s'agit de Juice WRLD ici qui a laissé ce tweet. Cette personne est devenue célèbre. Elle a posté une vidéo qui a fait plus de 300 millions de vues sur YouTube. Et les choses ont commencé à bien se conduire jusqu'à ce que à son anniversaire, le 8 décembre, il y a un problème. Cette personne était dans un avion. Et c'est là-bas tout a commencé. Déjà, on nous dit que l'avion transportait des drogues en grande quantité. On nous dit 30 kilos d'herbe et quelques drogues dures. Et c'est ce qui a créé le problème. On nous dit que Juice WRLD a sans doute consommé quelque chose de ce genre, ce qui a créé la mort parce qu'à l'aéroport, il était tombé, il a commencé à saigner de la bouche, on l'a envoyé à l'hôpital et là-bas, il est mort. Maintenant, cette jeune fille de 21 ans, Alicia, qui est décédée maintenant, le mercredi 1er, dites-moi, de quoi est-elle réellement décédée? Ils ont encore fait des analyses et ils n'ont retrouvé pour le moment. Ah! Ça, c'est un truc de ouf. Ça reste un mystère. La disparition de ces jeunes stars, de ces jeunes rappeurs américains, leur disparition reste tout de même un mystère. C'est pourquoi on parle du club des 21. Il y a un abonné de Yon Subon qui a laissé un commentaire sous nos vidéos. Dans le live précédent, on en a parlé. Mais je pense que ici, ça va nous aider à comprendre certaines choses. Voici ce que cette personne pense. Voici ce que cette personne pense. Nous allons lire. Regardez vous-même. Son commentaire est long, mais c'est constructif. Regardez là. On espère que ça nous aidera à comprendre ça. Cette personne d'ailleurs s'appelle Jalet Alia. Cette personne dit la disparition de cette rappeuse est quelque chose qui étonne. Pas, c'est quelque chose qui étonne pas vraiment au stade. On appelle ça le club des 21. Rares sont ceux qui arrivent à 25 ans car les rappeurs de nouvelle génération vendent leurs âmes au diable. Hein? Cette personne est en train de donner des informations hors du commun. Cette personne est en train de dire qu'aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé et tout le monde commence à comprendre. Et le problème, c'est que les rappeurs de la nouvelle génération font leurs âmes au diable. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Qui sait? Nous, on veut savoir pourquoi ces jeunes gens-là meurent tôt avant qu'une autre personne ne meure encore. On ne doit pas être les médecins après la mort. C'est le moment de chercher à savoir ce qui se passe concrètement et prévenir les morts. Regardez encore ici. Par la suite, il dit Juice WRLD is his station, Lost Quota, etc. Ils sont avides d'argent, de célébrité, donc ils font des pactes. Surtout, faites la remarque, cela ne touche pas trop les collègues. Cela ne trouve pas tous les collègues rappeurs parce qu'ils savent ce qui se passe dans leur monde. C'est triste, mais
c'est ce qui se passe. C'est fans qui souffrent quoi, le plus, mais c'est ça. Il y a trois personnes qui ont jugé vrai ce commentaire. Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Est-ce que vous pensez que cette personne raconte des histoires? Ou est-ce que vous pensez que cette personne essaie de nous faire peur? Mais dites-le moi. Dites-le moi. Maintenant, revenons sur le message de Juice WRLD en 2017. Regardez ça. Mon but est de devenir très célèbre, briller 2 ans et fêter ma mort. Avec quoi à l'appui? Regardez ça. Ça, c'est quoi? C'est un cercueil. Et bizarrement, His Tentation, avant sa disparition, avait fait un clip lui aussi. Et dans ce clip, il parlait de sa mort, on peut dire. Puisque dans ce clip aussi, on voyait un cercueil. Attendez, je vais te montrer ça. Ok, donc là on le voit marcher et il va directement vers un cercueil dans le clip. Et c'est exactement ce qu'on a vu dans le clip. Juste à en France qui dit qu'un clip n'est pas un simple clip, c'est juste des messages subliminaux qui sont remplis là-dedans. Genre des messages pour nous montrer ce qui va se passer ou ce qui arrive. Ou pour faire la publicité d'un produit, non? On va dire c'est un placement de produit. Mais quand vous voyez un cercueil comme ça dans des clips, est-ce que c'est un placement de produit? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Et quelques temps plus tard, la personne meurt juste comme ça. Qu'est-ce que vous voulez que les gens pensent? Les gens vont dire, ah, ça c'est pas normal, il y a un truc. Et on veut savoir. Tout le monde veut savoir ce qui se passe ici. Tout le monde veut savoir ça. Regardez. Dai Young. Il y a même des gens qui sont là. Venus pleurer sa disparition. Maintenant, on nous montre quelque chose à un niveau de ce clip. Regardez. On nous montre cette personne qui est là. Voilà. Hésitation. Devant lui-même. C'est comme une personne qui a sorti son corps et son âme, son esprit regarde son corps. Et les gens ont vu ça, les gens ont dit, franchement, c'est une vidéo prémonitoire. On voit le jeune rappeur assister à son enterrement et sortir de son cercueil. Ah! Est-ce que vous croyez aux choses mystérieuses? Vous ne croyez pas aux choses mystérieuses? C'est possible! Mais pour vous m'expliquer ce qui se passe là, ici? Et pourquoi les jeunes gens meurent? Nous devons nous attacher à Dieu. Nous devons nous attacher à Dieu. Nous ne discutons plus beaucoup. C'est Dieu là, il existe. Jésus est réel. Cherchons Jésus. Cherchons Dieu. Regardez. Le club des 21. The 21 Club. What's wrong with you? What's wrong with you? This guy is dead. He's dead. Why? I don't know. Je ne sais pas. What the heck? I don't know. C'est vraiment bizarre. C'est vraiment étrange. Et là encore, ça nous ramène au message de Juice WRLD. Il a laissé beaucoup de messages avant de partir, décidément. Mon but est de devenir très célèbre pendant 2 ans et fêter ma mort avec le même cercueil ici. Qu'en pensez-vous? Et quand His Tentation est parti, Juice WRLD a acheté une chanson pour parler des jeunes stars qui meurent à l'âge de 21 ans à peine. Ah! Maintenant, dites-moi, souhaiterez-vous devenir très célèbre et mourir jeune pour rester une légende? Dites-le moi. On dit tout le monde, toutes les personnes, les gens ont dit que toutes ces personnes qui sont là sont des légendes.
Surtout cette fille qui est là, elle a décidé récemment, le 1er janvier dernier. Elle, sa soeur dit, ou bien sa soeur, sa collègue dit, tu resteras éternellement une légende. Repose en paix au paradis. Moi, franchement, c'est telle chose, je n'apprécie pas ça. C'est une chose qui ne me plaît pas. Des jeunes gens, tous jeunes, ils sont morts. Nous devons vraiment nous réveiller sur ça, avant qu'il y ait d'autres victimes. Décidément, dites-moi. Est-ce que c'est un problème d'ordre physique ou d'ordre spirituel maintenant? Voilà, expliquez-moi ça. Est-ce que ce problème est un problème physique ou un problème spirituel? Ah! Physiquement, on voit souvent des bagarres, des rappeurs, même ils se tirent même dessus là-bas. C'est un meurtre. Mais finalement, nous sommes en train de nous rendre compte que tout ce que nous voyons dans la vie réelle, comme les bagarres, les tirs, tout ça, ce sont des histoires. Sinon, en réalité, tout se passe spirituellement parlant. Et ce sont des morts spirituelles. Mais qu'est-ce qui se passe? Quelles pattes les gens ont signées? Si ça existe vraiment. Croyez-vous à l'existence de pattes avec le chat? C'est tout de ouf, hein? Nous savons qu'il y a les féticheurs. Nous savons qu'il y a des sectes qui existent. Nous savons que les gens font des sacrifices, des grands sacrifices même, pour avoir même toutes les choses de ce monde. Il y a beaucoup de rappeurs qui ont dit qu'ils ont vendu leurs âmes au diable, par exemple. Est-ce que vous pensez que ce sont des histoires? Avant, moi, je pensais que c'était de la blague. Mais depuis que j'ai commencé à voir ça, j'ai commencé à moi-même me poser des vraies questions. Devenir très célèbre, devenir extraordinaire et mourir jeune. Vous ne devez pas souhaiter ça pour vous. Mon frère, tu ne dois pas accepter ça. Ma soeur, tu ne dois pas accepter ça. Qui t'a dit ça? Faisons attention, mes frères et soeurs. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez parce que vraiment là, c'est même grave. Regardez-les. Qu'est-ce qu'ils ne voient pas? Ils sont tous jeunes comme ça. 21 Club. This is real. Thank you for watching. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Que Dieu bénisse, frères et soeurs. Prenez soin de vous et ne pas vous blâmer. Nous sommes même chauds. C'est parti. Le travail recommence. Là, c'est pour la vie. Nous devons sauver des âmes. Le grave.